Salam alaikum, Mataldé d'Azoul, bonjour. Alors, une petite vidéo pour vous annoncer le live qu'il va y avoir avec. Vous savez que je fais partie aussi de l'équipe de Jazzair Hop. Donc, on fait un live dimanche 24, prévu 22h, 21h, heure d'Alger. Peut-être, on le fera à 20h parce que peut-être on va le faire peut-être 1 heure plus tôt, mais ça vous surveillerez l'annonce Jazzair Hop, hein, comme ça vous serez sûr et certain et certaine. Bref, là donc ça va être un live très intéressant avec Yazid Ben Hounet qui a sorti un livre Propagande. Hirak et propagande médiatique. Donc, on va parler du pré-Hirak, du Hirak, de la propagande médiatique qu'il y a eu, la manipulation, etc., des médias. Et on va aussi parler des gilets jaunes du Hirak algérien et des gilets jaunes France. Donc, ça va être très intéressant. On va aborder plusieurs thèmes et on va finir aussi par l'actualité et tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à assister au live. Et voilà, en fait, je fais, alors en dehors de faire la petite annonce, j'aimerais que vous m'aidiez pour celles et ceux qui veulent. Là, vous voyez cette dernière photo là que j'ai fait. Je vais vous mettre un lien en dessous. C'est le lien sur ma page Facebook. Si vous voulez, vous récupérez cette photo sur la page et vous la diffusez le plus possible. Ça va permettre, pourquoi? Vous la diffusez, oui, moi je l'ai fait sur plein de pages de Gilets jaunes, par exemple. On va essayer d'élargir l'auditoire. On peut la diffuser donc à des groupes de Gilets jaunes et aussi même à des Hirakistes, pourquoi pas, hein, des néo-Hirakistes 2.0 hein, aussi, puisque dans ce live, ça va être très intéressant et on va pas faire passer plein de messages. Donc si des Français peuvent entendre nos messages, des gilets jaunes peuvent entendre mes messages, des gens qui sont toujours dans le délire Hirak 2.0, bah peut-être ils écouteront nos arguments et ça peut être intéressant. Donc c'est important de le diffuser, je pense. Voilà, merci beaucoup, Maslama, à bientôt. Inch'Allah.